partirai avec les bourses pour Ankh, et puis du coup je les tendrai à chaque personnage. Merci, c'est fort généreux. Et du coup, c'est qui était dehors? Il y avait Ilana, Atalise et Ankh. Atalise, elle est restée à moitié dans la porte. Elle était plutôt à l'intérieur que dehors. Ouais. Plutôt Ankh et Ilana, du coup, qui étaient dehors. Bah, je crois qu'Ankh, il était avec moi. On était un peu entre les deux parce qu'on voulait pas déranger ni un groupe ni l'autre. Voilà. Donc, il y avait si tu veux, on était de chaque côté de la porte. Quoi. C'est ça. À se regarder porte, un peu pour patienter. Des montants sur la porte, bon, du coup, on était posé contre les montants. Quoi. C'est ça. Donc, c'est Ilana toute seule pour l'instant. Avec. Un petit métro. Un jet de perception. Ouais. Le fumble. Deux fumbles. Pou. Alors, heureusement qu'Atalise est un petit peu attentive à tout ce qui pourrait être bénéfice au culte. Alors, Ilana et Ankh, vous avez un gros problème où cette ville, ça commence à vous énerver, ça vous étouffe. Par contre, Atalise, tu vois une jeune femme un petit peu au loin qui semble vous surveiller. Avec un air hostile ? Curieux, curieuse. Elle cherche à attirer notre attention ou pas? Ou elle cherche à se cacher? Non. Elle cherche à se cacher. D'accord, ok. Elle est loin de nous? Elle est assez loin, oui. Plusieurs rues? Enfin, plusieurs maisons? 200 mètres. Ok. Tu la vois vraiment de loin. Bah, je vais laisser Ilana avoir sa conversation si elle veut avec. La PNJ dont je n'ai pas retenu le prénom parce qu'elle n'a pas participé encore. Et ensuite, je sortirai pour la prévenir. Ok. Avec la capitaine de la garde, c'est ça? Tu voulais discuter avec la capitaine de la garde? Oui, c'est vrai. Du coup, tu voulais... c'était plus pour l'éloigner, je pense, que tu voulais faire ça, Ilana, je pense. Non, je voulais lui parler sérieusement de... Ah. Vas-y. De... Excusez-moi, mais j'imagine que vous connaissez la situation dans la région. En tout cas, j'ai cru comprendre que vous avez une invasion de bandits. Ah oui, en ce moment, on a une recrudescence assez importante de bandits. On ne sait plus par où commencer. Un jour on est au nord, un jour on est au sud, et des fois on est partout à la fois. Plus ça va, plus nos gardes meurent, viennent les pieds en avant. On est complètement dépassé par la situation. Pour l'instant, on arrive à tenir, mais c'était compliqué. J'ai vu effectivement ça. Nous venons du Corbeau d'Or et avant ça, du Renard à péter. Mes compagnons et moi... croisez pas moins d'une vingtaine de bandits sur une journée sur la route. Je crois que effectivement ça doit faire un petit peu plus. Il y a deux raids sur la route à ce qu'il me semble, et il semblerait que tous nos gardes qui étaient sur place soient morts. Apparemment ils auraient été aidés par des loups, mais c'est étrange parce que nous avons trouvé aucun survivant sur place. D'accord. Est-ce que vous avez une idée de où ces bandits campent? Alors, on a eu une première attaque la veille au matin. On a eu un mort qui est revenu avec deux blessés. Mais le soir, ils sont tous morts et... ouais, je sais pas, mais beaucoup. D'habitude, ils agissent par bande, mais ceux-là n'ont pas l'air d'avoir une affiliation particulière. Sans doute des bandits qui s'y connaissent assez peu en la matière. Est-ce que vous avez fait part à l'Empire des problèmes que vous avez ici? Oui. J'ai envoyé un message, mais bon, ça ne sert à rien.
Nous sommes un petit peu isolés ici. Et puis les problèmes sont un peu partout, je crois. D'accord. Sur ces entrefaites, du coup, Athalys sort, refait un grand sourire à... Du coup, c'est une alpheline, c'est ça ? La capitaine de la garde ? C'est une gnome. C'est une gnome. Elle lui fait un grand sourire. Elle dit... Ilana, la vendeuse qui est là vient de nous offrir la plante qui se trouve ici. Est-ce que tu penses qu'on pourrait la ramener au Corbeau d'Or pour remercier... Georgia ? Non, Scati, de sa cuisine. Je pense que ça pourrait lui faire plaisir pour mettre dans son jardin. Et au passage, et là je te fais un grand sourire, et au passage je baisse un peu le son et je fais « Et il y a quelqu'un qui m'a l'air pas très bien intentionné, te retourne pas, au niveau de 200 mètres par là-bas, la jeune femme, tu vois. Qu'est-ce que tu en penses ?» Ben du coup je me retourne pas, j'ai appris quand même à être discret. Contrairement à moi. Je commence. Par contre, je vais resserrer mon poing sur mon plié et approcher ma main du côté de l'épée sans la prendre. Mais, de toute façon, comme je suis de dos, un peu cachée, mais prête à dégainer et à me retourner si besoin. Et je regarde Athalys, je fais « Alors, ma chère Athalys, je ne sais pas ce que tu souhaites entreprendre avec notre chère Scepti, mais je ne rentrerai pas dans son jeu si j'étais toi. » Et pour ma part, je n'ai pas très envie de lui faire le cadeau, n'ayant pas envie de finir sous un tas de légumes, même s'ils sont très bons. Mais il n'est pas méchant. De toute façon, on s'en va dans deux jours. Je n'en doute pas. Mais j'ai appris par le passé que avoir un demi-ogre dans les pattes, ça serait parfois compliqué. Mais ça peut être aussi un allié de poids. Si tu vois ce que je veux dire. Et puis, Aliana a mis cet arbre sur notre route. Il faut en faire bon usage. À moins que tu aies une meilleure idée d'utilisation, je trouve que ça lui ferait plaisir. Ça nous coûte rien. Je ne vois absolument pas pourquoi cet arbre t'intéresse. Est-ce que tu lui trouves ? Il est comment l'arbre ? Il est beau, moi ? Il m'est tombé dessus par la destinée, par le biais de Aliana. Voilà ce que je lui dis. Tu veux pas le revendre pour mettre les sous gagnés dans ton tronc ? C'est une bonne idée. Je m'en vais tout de suite demander à Mako combien il peut se vendre. Ah oui, d'accord. Très bien. Et du coup, je re-rentre. Et moi, du coup, je sais pas ce qu'a fait le capitaine de la garde pendant ce temps-là, mais. Elle est repartie. Je vais me retourner. Je vais me retourner et faire mine de. De me coller contre le battant de la porte et regarde la rue en essayant d'être discrète et de repérer le fameux personnage que Athalys m'a montré. Oui, vous voyez cette jeune femme qui essaye de se cacher un petit peu discrètement derrière un coin de mur et qui effectivement vous regarde de façon assez fixe. Mais vous voyez juste un petit bout de son visage. Et il n'y a rien de particulier, on voit pas des tomes ou quoi que ce soit qui pourraient nous donner des indices. Non, elle reste immobile à vous regarder. Peut-être... Non, vous voyez pas sa bouche, donc très peu. Donc vous savez pas trop ce qu'elle pense. Et du coup, je vais rester là en serrant un peu mon bouclier, en mettant bien en avant pour essayant d'impressionner un peu les passants. Sans forcément la regarder, elle, genre, je garde mon regard vague sur la foule, mais prête à bouger s'il faut. Du coup, Elnar sortira et tendra à Ilana une bourse en disant « Tiens, c'est ta part de la vente. » Merci beaucoup, cher ami. Tiens, ben Marie, c'est parti. Je voulais discuter avec elle. Malheureusement, il faut croire que l'intervention d'Athalys l'a fait fuir. Je ne sais pas si c'est parler d'armes ou mes questions sur les bandits aux alentours qui l'ont le plus dérangé. Je dois avouer que j'ai également des questions à lui poser sur des bandits. Elle t'a dit où c'est qu'elle allait ?
Bon, mais j'imagine qu'on peut la retrouver à la garnison, ou en tout cas, retrouver certains de ses hommes si ça t'intéresse. Volontiers. Athalys va rapidement demander à Mako combien ça se vend, l'arbre dont elle lui a fait cadeau. Ça se vend... Oh, deux PO, parce qu'il est quand même bien, bien mature, il a été bien soigné. Ça deviendra certainement une plante assez conséquente. Donc, deux PO, c'est... Est-ce que... C'est quoi comme arbre ? Ouais, voilà ce que j'ai demandé. C'est genre un petit palmier en pot, un truc... Oui, c'est un peu ça. Ok. Du coup, elle va demander si elle peut pas se bricoler, enfin lui vendre quelque chose pour se bricoler un harnais pour pouvoir le porter sur son dos pour partir avec. Et du coup, oui, allez. Laisse tomber cet arbre, on perd du temps et tu vas te crever pour deux PO. Concrètement, l'arbre qu'elle lui montre, il fait quoi comme poids à peu près? Juste. C'est 20 kilos, quoi. Alors, du coup, elle regarde avec un grand sourire, les garçons, et elle dit, il y en a pas un qui veut m'aider ? Si on va pas passer la journée là, je prends le truc, je le mets sous le bras, et puis je dis merci à Mako, et puis je sors. Merci, c'est gentil, Erin. Le mec, il prend le truc un peu, allez, c'est bon. Moi, je lève les yeux au ciel. Je me passe la main dans les cheveux et je sors dépité. Athalys, elle sort avec un grand sourire. Elle suit le mouvement. À la garnison, c'est ça ? Tu vas en faire quoi, du coup, du truc, là ? Je ne sais pas, mais quand quelqu'un me confie quelque chose pour le culte d'Aliana, je vois ça comme un signe. Alors, on trouvera bien une utilité. Aliana, elle lève les yeux au ciel. C'est louable, on verra ce que ça donne. Tu peux noter dans ton inventaire l'arbre de Athalys, s'il te plaît, pour pas l'oublier. Palmier pour Athalys, pour aller dans le temple d'Alien. Moi, je voulais l'offrir à Scapi. Je crois que c'était une trop bonne idée, mais mon ami m'a dissuadé. Du coup, vous arrivez à la garde. Vous voyez tout simplement des gardes qui sont en train de se préparer. Il y en a trois qui se préparent à partir en patrouille. Et vous en voyez certains qui rentrent et qui sortent pour commencer leur marche dans la ville. Est-ce que je peux regarder derrière nous si on s'est fait suivre par la femme ? Oui, tu peux faire un petit... Bon, c'est qui toi, tu me refais un petit jet de perception. Parce que le tien n'était pas non plus top. Oui, c'est bien mieux. Voilà. Donc oui, effectivement... Moi, je me fais discret. Je reste entre les... entre les grands pour être discret. Parce que les gardes, c'est pas trop mon fort. Et du coup, comme tout à l'heure, si je trouve un arbre, quelque chose qui est vraiment pas loin du groupe, mais qui me permette de la garder à l'œil, je vais le faire. Ok. Bah, un arbre. Non, pardon. Tu te caches derrière l'arbre, si tu veux. Si tu veux te cacher derrière un arbre. Non, je me cache pas forcément, je reste visible, mais en fait, je trouve une excuse pour être face à la rue et surveiller le dos de mes compagnons. Et du coup, qu'est-ce que vous dites à la garde du coup quand vous y arrivez? Bah, du coup, Anars va passer devant et va dire bien le bonjour, messieurs. Nous aimerions voir Damaris. Est-elle là? Non, elle est pas là, non. Ah, oh, quel dommage. Nous avons eu vent que vous avez des petits soucis de bandits. Est-ce qu'il y a une prime si jamais on en tue quelques-uns? Il te regarde. Pourquoi vous croyez qu'on travaille gratuitement?
Non, non, pas du tout. Mais je veux dire, si quelqu'un d'autre vous donne la preuve qu'ils ont assassiné des bandits, est-ce qu'il sera payé ? Bah, si nous avions de telles personnes, effectivement, on les récompenserait de nous débarrasser de cette vermine. Ça, sans aucun doute, nous les récompenserions comme il faut. Et à qui pouvons-nous nous adresser ? Alors, ne demandez pas à Damaris, parce qu'elle trouve ça normal de défendre sa patrie, mais nous, on peut gérer ça, hein, entre nous. Oh. Très bien, alors attendez, tu vois qu'il fouille dans sa besace. Alors attendez, il sort un brassard, puis un deuxième, puis un troisième, puis un cinquième, jusqu'à 10. Combien ça vaut pour 10 personnes ? Athalys, elle est un petit peu dépitée à côté. Eh bien, dis donc, mais c'est à qui c'est... Enfin, on les reconnaît, c'est ceux des voleurs. Ah oui, on n'a pas pensé à fixer une somme. Oh. Ouais. 2 PO par bandit. Comme ça va peut-être vous motiver à en abattre d'autres. Je regarde les autres. Jamais motivé pour tuer des gens en étant en légitime défense. Ouais, Athalys, elle va te dire c'est bien peu cher pour la vie d'un homme, mais je suppose que Aliana les accueillera et les pardonnera en son sein. Ouais, pour moi, donc pas de problème pour moi. Très bien. Du coup, il... Par contre, entre nous, vous ne dites pas un seul mot à Damaris, d'accord ? Ça reste bien sûr, cela restera entre nous. À qui ai-je l'affaire ? Jean. Jean, petit Jean, je vais vous appeler. Moi, je suis Alnar. Du coup, il va tendre la main pour recevoir l'argent. Oui, et il va tendre la main, il va essayer de faire un petit peu discret pour que personne dans la rue ne voit, tu vois, mais c'est un petit peu grossier. Merci, merci. Et n'hésitez pas à aller chasser d'autres. Hein. Et du coup, je lui donne les brassards une fois que j'ai l'argent. Ouais, enfin, lui, il va les. Il va dire ça à son collègue derrière et il va lui dire ça dans le feu. Un petit conseil. Si jamais vous voulez trouver des bandits, faites-vous passer pour des bandits. Oui, du coup, Athalys, au moment où il dit allez foutre ça dans le feu, elle dit. Est-ce que je pourrais regarder un d'un peu plus près, s'il vous plaît ? Oui, enfin, revenez pas avec après. Hein. Non, non, je le mets dans mon sac. Je vous remercie. Oui, oui. Et je prends un des brassards et je le mets dans mon sac. Je l'examinerai coup, plus tard, pas au milieu de la rue. Du coup, je sais que vous avez pris un, hein. Alors revenez pas de redemander une... plus pour celui que vous avez appris. Non, bien sûr, c'est pas mon genre. Non, d'accord. Vous pouvez le marquer si vous voulez. Faites une encoche dessus. Oh, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, mon petit homme. J'ai trop de travail. Alors là, je regarde mes compagnons et je dis, bon, quelle est notre prochaine étape ? Bah, tenez. Voilà. Et il va distribuer, du coup, 4 pièces d'or à chacun. Alors là, pour c'est le coup, elle... généreux, mon ami. Pour le coup, Athalys, elle les met dans le tronc direct parce que c'est l'argent du sang. Si on y va par là, tu le dis ? Pourquoi oui. Tu les mets dans le tronc ou pas ? Oui, oui. Je dis. Si on y va par là, l'argent des cimetières aussi. Peut-être. Mais c'était des armes qui servaient à faire le mal. Là, il s'agit du prix de la vie d'hommes. Et de femmes, sans doute. Ok, moi, ça doit me dépasser. De croyance. Ben, nous avons trouvé. Tu vois que tu l'as fait un peu douter, mais que pour l'instant elle a pas tranché encore ce qu'elle va en faire. Pardon, excuse-moi. Nous avons trouvé la roue pour Timénez. On a vendu ce qu'on devait vendre, ce que vous voulez. Il est quelle heure dans la journée là ? Ça nous a pris combien de temps, ouais, cette balade ? Je pense que il va être temps d'aller. Enfin, vous allez
peut-être avoir un petit creux. Ça va être largement passé l'heure normale, mais bon. On peut essayer de se trouver un endroit où manger, en ville ? Ou il faut effectivement prendre des forces avant le ragoût de... Au cas où, il y a besoin de jeûner ce soir. On vous indique du coup une auberge naine tenue par une certaine Nanou qui s'appelle le Bouclier Brisé. En lisant le nom, j'ai quand même regardé mon bouclier, posé une main dessus et rentré. En ayant aussi une pensée comme à chaque fois que je regarde mon bouclier pour la personne qui l'a porté à ma mère. Athalys, elle fait un sourire attendri et elle la passe derrière toi. Et du coup, en rentrant, vous avez petite naine qui vous dit bien bonjour. Bonjour, ma chère. Est-ce qu'il est trop tard pour manger un bout, s'il vous plaît ? Non, bien sûr que non, le sanglier est encore sur la broche. Parfait. Bon, on arrive juste à temps. Bah, évidemment, vous tombez toujours à temps, il y a toujours à manger. Et, en regardant, toujours à boire. On vous remercie. Elle regardait Ankh, c'est ça, quand elle a dit ça ? Ouais, ouais. Ok. Moi, je relève pas, je dis rien. Et du coup, Athalys, elle va dire, est-ce que vous avez un vin, tout simple, pour aller avec la viande ? Vous êtes sûr que c'est bon pour accompagner un sanglier ? Qu'est-ce que vous proposez ? Vous auriez pas de l'eau à la place ? Oh non, mais si vous voulez un vin, c'est pas grave. J'en vends, mais bon... c'est un peu gâcher la viande de prendre un vin quand il y a de la bonne bière pour boire avec, pour manger avec le sanglier. Je n'ai jamais goûté de bière, je veux bien. Et je regarde un regard interrogateur vers Ilana parce que je me dis que si c'est dangereux pour moi, elle va me faire signe. Elle va rien dire. Ah. Et elle va demander 5 parts de sanglier, une bouteille d'eau. Elle fait signe de ce shop et puis après elle se tourne vers Erin et Elna pour voir s'il faut rajouter des shops de bière. Une shop de bière en plus. Pareil pour moi. Et 4 shops de bière alors. Est-ce que vous avez une table où vous pourrez s'installer ? Un peu à l'écart ? Ah bah, c'est l'avantage, c'est que vous voyez, en arrivant vous avez le sanglier qui est cuit et vous avez toute la place parce que tout le monde est déjà parti. C'est classe, non ? Merci, madame. Vous avez une préférence, mes amis ? Il pleuvait encore aujourd'hui, là ? Il faisait moche ? Non, justement, c'est pour ça que j'ai retiré la pluie. En fait, il faisait plutôt beau. Ça, c'était assez bien pour sortir dehors. Bon, on va se mettre tranquillou dans le fond, non ? Pas trop en vue, vu qu'on a l'impression d'avoir attiré l'attention déjà ? On aurait dû proche d'une fenêtre pour pouvoir regarder en même temps dehors. Ah. Pour le coup, c'est pas du tout ma spécialité, donc Athalys, elle va suivre ce qu'on lui dit. Alors, pas d'eau à une fenêtre et pas d'eau à la porte. Oh, mais c'est ça, on va prendre une table en coin, mais il y a une fenêtre sur un des bords du coin, et sur le reste, c'est bien. Et tu vois qu'effectivement, la fille est toujours dehors en train de vous regarder. Donc du coup, elle s'est un petit peu adossée à un mur, parce que comme vous êtes rentré dans l'auberge, elle se doute bien que ça va durer un petit moment.